Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Sandra et Olivier s'étaient séparés. Ils sont désormais de nouveau en couple, très heureux et très amoureux. Ils sont partis en vacances ensemble en Corse. Je vous laisse découvrir la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. En fait, il faut dire une chose, c'est que la Corse, lorsque tu y es, il y a un truc, hein. C'est vrai qu'il y a un truc, juste l'air. T'es au bord de l'eau et il y a un typhon d'air qui est tellement cool et sympathique que tu pourrais rester là comme une sardine. Voilà, une sardine au bord de la mer. C'est trop bien. Et en plus, on est tombé sur une plage. Franchement, on a eu de la chance parce que, comme vous pouvez imaginer, on n'a rien réservé. Parce que moi, c'est un petit peu mon défaut. Je suis toujours last minute. Et du coup, on a marché un peu et on s'est retrouvé. On a vu une petite plage. Donc là, elle nous a dit non. On a commencé au bout. Et on a fait la deuxième. Le mec, le jeune homme nous a reconnus. Et du coup, il nous a arrangé ça. Donc ça sert un petit peu des fois d'avoir, d'avoir un peu de visibilité. Parce que sinon, je pense qu'on aurait pu s'allonger sur une serviette par terre. Et franchement, ils sont hyper, hyper gentils. C'est la plage du Palm Beach. Palombadge. Donc pour raconter une petite anecdote, en fait ici c'est le côté de ma grand-mère, de ma mère. Ma mère est née en Corse, elle n'est pas née à Moriane, elle est née à Bastia peut-être, parce qu'elle est née en Corse. Je ne sais pas si elle n'est pas née dans le village en fait, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a un petit village au-dessus de Moriane, pour ceux qui sont de Moriane. Et moi, j'ai fait toutes mes vacances quand j'étais petite là-bas. J'allais tout le temps, je passais mon temps dans l'eau. Et puis en fait, à chaque fois que je reviens ici, ça me fait un petit un truc chaleur. Ouais, ça me fait un truc en fait. Qu'est-ce que j'aimais tellement ma grand-mère, mon grand-père, mon côté corse, qui est français bien sûr, hein, mais qui est différent. Qui est différent. C'est vrai que la Corse, c'est. Moi, tellement bien que j'avais même pas envie de manger du transat, mais Olivier m'a obligé à aller manger un truc. Et voilà, c'est cool. C'est bien les vacances, n'empêche, hein. Ça fait du bien. Hein. Même si je profite souvent de la plage, c'est pas pareil quand tu pars quelque part, en fait. Hein. C'est ça. Hein. On connaît personne. C'est trop cool. Mais à partir de soit ce soir ou demain, avec Olivier, on a décidé qu'on faisait du sport tous les jours. On a pris les vêtements. Olivier s'achetait des vêtements de vrai sport. Donc, juste basket si on voulait un petit peu trotter, mais bon, on va courir, c'est un peu délicat, mais bon, bref. Mais il y a une salle de sport où on est et tout, donc ça va être cool. On est dans un petit hôtel sympathique, tranquille et super, ok, frère. Donc on est en mode vacances, healthy and fun. Donc on est en mode vacances, healthy. Il se régale, le petit. Il se régale. Voilà. Il décortique toutes mes petites pattes. Hein, toutes les petites pattes, tu les décortiques. Ah, c'est très bon. Oh, c'est vraiment beau. Là. C'était bon. Un ventre. Moi, je mets mes pattes. Un ventre. Voici la chambre. Bon, le pauvre Olive, apparemment ma valise elle est un peu lourde. Voilà. Le canapé, je sais pas ce qu'il vient faire là au milieu. Dressing, petit dressing. Une belle salle de bain. Très bien monsieur Pichon. Bravo. Bravo. Et en plus, nous avons le petit terrasse privé. Alors ça c'est trop mimes. Avec la piscine là-bas. Voilà, petit déjeuner, plein de bonnes choses dedans. Elle fait sport aujourd'hui.